yo, c'est yo qui choisit règle pour diriger pays yo, c'est yo qui choisit loi pour diriger pays yo. Oui ou milliers, oui ou sans tout ou sans tout ou pas rien. Mais qui sont café? Écoutez, écoutez, on a toujours dit madame monsieur. OK, sort qui baille imbécile qui va prendre. Je dis à quel intérêt la République dominicaine gagne pour Haïti d'être stable. Aucun intérêt. Parce que tout autant que Haïti instable, les pibes bon pour lui parce que ça fait les affaires des Dominicains. Mais en fait, si on regarde plus loin, si on cherche qu'on est acteur qui a les mains invisibles qui n'ont crise haïtienne aujourd'hui, là, c'est très difficile pour pas venir main dominicaine là-dedans. Je dis, c'est très difficile. Ok? Si on cherche qu'on est les mains invisibles qui n'ont crise haïtienne là, c'est très difficile pour pas joindre main dominicaine là-dedans. Et de fait, il y a intérêt. Tout le monde a été écrasé, lui, pour Dominique. Oui, pour lui. Et je dis, même en tant qu'Haïtien, on n'a pas plein. Ça fait même moins que des hommes d'affaires de ce pays. Qu'a essayé jongler entre deux tableaux. N'a qui c'est homme d'affaires dans le pays, monsieur. C'est là qu'il est bien, quitté. Allez, Dominique, allez, 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 allez. Pas arrêter là, et puis, à faire hypocrisie à le pays. Et puis, à comploter avec Dominique pour casser le pays. Nous-mêmes qui sommes businessmen dans le pays, pas jongler sous deux tableaux. Vous avez préféré en fait la République dominicaine face à Haïti. Restez Dominicani. Mais pas faire hypocrisie à le pays. Vous avez jongler en Dominicani et Haïti. Et puis vous avez comploté avec Dominicain pour craser le pays. Comment vous avez fait ça? Ok? Moi qui décide d'aller, aller. Quittez le pays. Mais pas monsieur Jodia, à goumer là, nous hypocrites. Et puis, nous avons joué, ok? Donc, le chat et la souris. Pendant que business, là, l'argent, produit à Haïti, ça y est, tu fais l'argent. Non, mais. Ok? Haïti, tu fais l'argent. Donc, c'est Haïti, tu fais comme ça. Et ça qui pitié, oui? Et ça qui pitié, madame, monsieur? Ou imaginez des hommes d'affaires de ce pays qui prennent rendez-vous en République Dominicaine, ils sont dans nos restaurants, quand ils font l'argent, ils font l'argent en Haïti. Et puis sous table restaurant en République Dominicaine, qui est-ce qui parle mal? Haïti. Haïti. Et puis qui est-ce qui est haïtien? Comprenez bien? Bon, pourquoi ça ne fait ça en pays, monsieur? Moi, je dis déjà, comme ou pas qu'à faire révolution avec un peuple qui est grand goût. Mais le jour, tu as une révolution dans le pays, ça. Et nous parlons de lui. Nous parlons de lui très bientôt. Et qui te dit, Loukou? Ok? Et nous parlons de quantité de monde que révolution, ça va passer dans le pays, ça. C'est parce ça que écoutez, ça, c'est malhonnête. Et c'est injuste de faire ça à un pays. Méchant. C'est okay. Là où on fait cobla, c'est là où on prend cobla. Et où on prend cobla. Et c'est là où on prend différence. La différence entre les oligarchies et bourgeoisie. Nous-mêmes, nous n'avons pas de bourgeoisie dans le pays. Hein. Parce que les oligarques, ce qui sont vivent, ils vivent. C'est un petit groupe. C'est qui a intérêt lorsque gagne des gouvernements qui corrompus. Yo gen ki lorsque pays en pas marché, c'est là yo à l'aise. Ou ka wè différence là par exemple. OK, est-ce que pays a son pays qui est stable? Loi nou yo bancal, loi nou yo gon paquet de problèmes. Des œufs également. Pour qui ça d'après ou? C'est là yo rete, c'est là yo à l'aise, c'est là. OK, aux États-Unis par exemple, côté non l'autre pays côté a protéger business yo. Gen loi qui pour protéger moun k'ap investi, gen tout ça gen courant, yo pas là. Gen pouvoir d'achat, sécurité. Gen sécurité, gen tout condition qui réuni pour moun ta faire business pour investi, pour qui ça va pas investir là d'après vous même. Donc c'est dans le désordre. C'est parce que là c'est côté le côté ça yo, yo pas gen intérêt, on a pas payer taxes, yo pas payer taxes là. Il pas payer l'état. Il a au contraire, yo corrompre l'état. Là yo l'état qui nan men yo. Donc il y a pas de intérêt à ce que l'état li normal, l'état la marche bien, l'état de droit li respecté. Nous y a pas de intérêt la donne. Alors que après lorsque il y a même contribué dans déstabiliser chaque gouvernement qui là pays a, chaque groupe qui t'a une idée pour ta mettre bagaille normal, il y a toujours là pour déstabiliser parce que pas de intérêt dans marché droit là. Donc c'est ça oui la différence. En tout cas, matin m'espère que nous même dans l'émission matin débat ou même qui sont dit émission matin débat matin m'espère que nous prenons le temps et les soins pour nous tendre analyser émission matin débat. OK? J'aimerais dire non, c'est que semaine ça semaine qui est très décisive.
et je sais de quoi je parle. En tout cas, nous voilà avec l'éditorial, donc pour ce lundi 12 avril 2021. Un nouveau passeport, est-ce pour finir la dette? Est-ce pour fuir la dette? Un nouveau passeport, est-ce pour fuir la dette? Le logo de la CARICOM est apposé sur la page de couverture des nouveaux passeports émis depuis le mois de mars. Le président de la République, M. Jovenel Moïse, est le premier citoyen à avoir obtenu ce passeport biométrique. C'était en mars 2021, mais pourquoi l'émission de nouveaux documents de circulation? Une histoire de vol dont on ne parle pas trop. Il est vrai que l'État haïtien doit encore à une compagnie allemande plus d'un million de dollars pour l'impression des anciens passeports. Le paiement a été possiblement effectué, mais l'argent, paraît-il, a été détourné par un ancien consul, révèle un audit. Faute de pouvoir en commander de nouveaux exemplaires du même fournisseur, l'État haïtien a, semble-t-il, dû recourir à d'autres compagnies avec le concours de la communauté caribéenne. Ce nouveau passeport est le marché commun des Caraïbes. La CARICOM est une zone d'intégration économique. L'élargissement du marché est toujours favorable au développement. Toutefois, il est dit que le nouveau passeport ne favorisera pas la libre circulation des Haïtiens dans les pays membres de la communauté des Caraïbes. Comment parvenir à une intégration économique, à un élargissement du marché, sans la libre circulation des personnes de la communauté? Pour conclure, nous revenons à cette dette d'environ 1 million de dollars pour signaler qu'elle diminue. D'un point de vue administratif et financier, la crédibilité du pays, c'est pratiquement l'une des conséquences de cette fraude. La cote de solvabilité d'Haïti s'affaiblit. Robinson d'Haïti, notre éditorialiste, et vous êtes capable de contacter Robinson d'Haïti, donc dans 31 55 43 25. Si vous souhaitez, donc fait commentaire, continuez, fait commentaire avec lui. Donc sous éditorial, donc émission Matin Débat. Je rappelle que éditorial, émission Matin Débat, donc c'est la pensée même de l'émission. Et le contact avec monsieur d'Haïti et pour les commentaires relatifs donc à cet éditorial de ce lundi 12 avril 2021. Donc nous pourrons regarder ça avec monsieur d'Haïti. Une question de passeport. De nouveaux passeports avec le logo de la CARICOM en page de couverture. Nous avons pile mon gueule comme ça. Et président Jovenel Moïse, c'est le premier monde qui a fait passeport ça. Ce passeport est biométrique. Et le commentaire avec monsieur d'Haïti. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Comment allez-vous? Bonjour Matin Débat, bonjour Loco Désir, et bonjour Maître Lexidor, et Pierre Martin, à toutes. Isaïe César, quel que soit à côté OER, je me connais après l'émission, je me salue toute l'équipe technique là tout. Je me salue auditrice et auditeur, capteur de nous aujourd'hui, et sur Radio Télé Éclair, dans le cadre d'émission Matin Débat, c'est l'heure de l'éditorial, qui titrait un nouveau passeport, est-ce pour fuir la dette? La question de la dette, vous mentionnez un ancien consul qui a été donc accusé. Alors. De détournement de fonds. Et de tournement de fonds. Mmh. Et c'est la raison ça qui fait que je dis, l'État haïtien, donc, a cherché l'autre couloir pour être capable de doter citoyens haïtiens de nouveau passeport. C'est certainement le cas. Mais d'abord, je voulais préciser que c'est un très bon document et son bon pièce qu'il y a parce que les bons sécurités très avancées parce que son passeport biométrique. Et celui qui est équipé d'un puce électronique qui permet d'être donné, mais son puce électronique est passive, c'est-à-dire qu'il va y avoir un coin à la donne, c'est leur prend et maintenant puis au lit et donner biométrique. Ou capable et plus précision à mon capitaine là, lors de son passeport biométrique. En passeport biométrique, son passeport qui est équipé d'un puce électronique, évidemment. Et mettre puce électronique, ça va y avoir un coin à la donne, son puce passive que lié. Un petit appareil qui pour l'île, une machine qui pour l'île. Donc son passeport, d'un tout passeport, sauf que lui est muni d'une puce électronique. D'une puce électronique, certainement. Les machines ont appelé l'île, ils vont en champ magnétique et qui activent l'île, et puis ils ont calé toutes les données biométriques, et mon information, et bien photo, visage, mon etc., tout côté l'habité, empreinte. Tout ça. Donc, son passeport, il y a un peu de sécurité, mais c'est son très bon document. Même si avec quatre dates, alors, vraiment que un peu mon a critiqué, mais son très bon document qui est lié, un document d'identité, parce que normalement, Haïtien, pendant très longtemps, il y a des problèmes
et puis identifier son probablement les capuchins tout. Oui, certainement, parce que je ne sais pas quoi, et le code de dire, il y a une 32 pages, il y a une 46 pages, mm-hmm. et chaque 32 pages, je crois que c'est 8000 gouttes, et c'est blanc coûté, et puis ça devient 48 pages, là, je crois que c'est 12000 gouttes, et que lié. Mais je dis, et il y a plus de monde qui ne connaît vraiment ce bon nouveau passeport. Le passeport là, il y a un logo CARICOM là, CC, évidemment, qui a posé et sur lui. Communauté, l'écrit communauté caribéenne, et puis dans le temps, il y a Palmiste là, mm-hmm. et puis en bas, il y a marqué République d'Haïti, mais en français, cette fois, et l'écrit. Et passeport Tao, émission passeport Tao, comment c'est fait, nous croyons que c'est en mois de mars, et c'est Jovenel Moïse, président de la République, là, qui était le premier monde qui a obtenu passeport biométrique, ça. Mais pour y aller, on a demandé pour qui ça, évidemment, et nous obliger à arriver à un nouveau passeport. Je ne sais pas vraiment connaître pour qui ça nous arriver à un nouveau passeport, mais derrière tout ça, il a semblé qu'il y a une histoire de vol, que nous ne pas parler trop. Et l'État haïtien, parce que l'ancien passeport nous défend, c'était une compagnie allemande qui était qu'on imprimé, ok, et il y a comme là qui possiblement te baille, et cependant, on consul à New York et qui font détournement de fonds, qui ont des problèmes avec les activités, etc., mm-hmm. qui ne va jamais payer compagnie. Donc, étant donné que l'État haïtien n'a pas qu'à commander de nouveaux exemplaires de la même source, du même fournisseur, mm-hmm. eh bien, les recourir à la communauté caribéenne, c'est-à-dire la CARICOM, et pour y imprimer d'autres passeports, et c'est un nouveau passeport, je vais vous dire. Très bien. Un passeport haïtien, un passeport biométrique avec le logo de la CARICOM en couverture, qui ça capable de changer? Est-ce que ça veut dire que haïtien qu'on a gagné un passeport, ça capable de circuler librement donc, dans la Caraïbe, dans les pays de la CARICOM? Bon, c'est ça que tu as supposé, mais d'après toutes les formations que tu as fait, mais forme de tout logo, son formule associative, c'est lié. Alors, un passeport européen avec Union européenne là-dedans. Et c'est exactement la même formule, ça, certainement les noms formules associatives, c'est la même formule, ça, je vais dire à l'État haïtien, utilisé pour délivrer nouveaux passeports, là, évidemment. Mm-hmm. Mais CARICOM, là, nous connaissons que c'est une zone d'intégration économique. Donc, dès que vous parlez d'intégration économique, vous parlez tout d'élargissement du marché. C'est une très bonne chose parce qu'elle est capable de favoriser le développement. Mais, d'après ça, ma frère, c'est que nouveau passeport, ça, qui gagne le logo, et CARICOM la donne, il va faciliter libre circulation des Haïtiens dans les pays membres de la communauté des Caraïbes. Ah mais pour ça le goût en quoi tu là? C'est là parce que soit parler d'élargissement et du marché, et soit parler tout de la circulation des biens, pour des circulations des biens locaux, faut taguer circulation des personnes. Et effectivement, à cause ça, il ne pas permettre circulation des personnes. Pour qu'on vise, par exemple. Sous la République dominicaine. Évidemment, la République dominicaine, c'est pas un État membre de la CARICOM, mais c'est un État observateur. Et parmi 18 pays observateurs, et parmi les 8 pays, bon, 8 ou 18, bon, maintenant j'ai même quoi, c'est 8 pays observateurs, et qui dans la communauté caribéenne, la CARICOM, là. Mais jusqu'à présent, Haïti a acheté visa, par exemple, Mexique, et ils sont un État observateur. Mais alors, quand d'autres pays qui fait partie des 15 États membres, jusqu'à présent, il faut qu'on ait un visa pour voyager là-dedans. Mm-hmm. Donc, c'est très compliqué. Si nous n'avons pas de port, CARICOM, je n'ai jamais dit, qui a supposé faciliter la libre circulation des personnes pour capable faciliter la libre circulation des biens, pour l'élargissement du marché, et jusqu'à présent, pas gagné. Alors, par rapport, grand pile monde que me contacter sur question ça, qui dit, par exemple, qu'on ait un passeport, ça, c'est un nouveau passeport. Le même mandat, mais ça supposait une campagne de communication sur ce nouveau passeport-là. Mm-hmm. Mais là, il y a deux aspects locaux. Autre aspect, c'est que une question de vol dans le bagage là. Bah, ouais, et l'État haïtien qui, dans les possibilités de payer, va faire toute une campagne de communication pour dire qu'il va faire un nouveau passeport, qu'il va recourir à de nouveaux fournisseurs pour l'imprimer passeport, pour l'imprimer passeport, alors que lui doit compagnie allemande ça. Mm-hmm. Mais deuxièmement, tout. Si je n'ai pas de passeport, CARICOM, je ne veux dire, comme qu'on a qui ça le café. Eh bien sûr, bien sûr. Et pour qui ça le logo CARICOM dans donc en couverture. Pour qui ça le logo CARICOM là. Voilà, pour qui ça, changement ça. Donc, les baguins de la poésie, même du tout, le baguin.
Non, moi, je ne dis pas le ministre, par exemple, je ne dis pas le ministre la donne. Je ne dis pas le ministre la donne, et puis en l'air, il y a un CC qui écrit, et puis en bas, il y a la République d'Haïti, qui écrit, mais en français. Alors, Pabli et Robinson, il y a un aspect qui fait que le passeport, ou du moins, la libre circulation, la libre circulation des personnes, il n'est pas effectif pour Haïtien. Bon, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, pas oublier, nous c'est pays qui gagne plus de monde dans la communauté. Dans des pays qui font partie de CARICOM, nous gagne plus de monde. Donc ça veut dire, là. Mais plus de monde n'a pas besoin, parce que ce n'est pas chaque Haïtien qui a un passeport. Mais c'est ça, pas tout. Attendez, c'est monde qui a un passeport qui est capable. Attendez. Pour n'y a pas oublier. C'est une zone d'intégration économique. Donc si nous avons besoin l'élargissement du marché, quand même. Pour circulation bien au fait, il faut que circulation personne. Oui, alors attendez, l'enga des pays, instabilité qui vient là, problème politique, problème gang, problème, tout problème ça n'a pas vivre là, les sûr, parce que non accord bilatéral, alors et multilatéral ça, yo, qui ça vient arriver, c'est pièce ou besoin seulement. Ouais. Passeport, pièce ou, c'est un saut là, Allah. Ouais. Donc ça le dit, ou rend nous compte, malgré que y a des pays ont besoin de visa. Pour aller où les gens haïtiens ont déplacé. Donc ça veut dire, c'est pour ça, oui, c'est un aspect que le pays qui fait partie de CARICOM, nous avons des gens inquiétés, qui fait que nous avons des gens pour effectif. Donc si nous ne parlons pas, non, ça c'est une très évident. Il est très évident que nous avons présenté un problème pour nous, parce que ou un problème politique là, ou un problème économique, ou un problème ça qui a suscité des gens partis qui étaient pays, et là, ou aller, donc c'est des petits pays qui sont plamés, et puis ou aller. Mais l'inverse est aussi vrai, parce que vous que ce n'est pas seulement un Haïtien qui a quitté Haïti. Pour aller dans le pays qui est dans les Caraïbes, non? Donc, il y a un peuple caribéen qui a débarqué à Haïti. Donc, il y a un contrôle. Parce qu'il y a un passeport dans le pays, il n'y a pas besoin de visa, il débarque dans le pays. Kounia, Livin, Livin joue en défaveur nous. Il y a un cas venu, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller. Parce que le danger qui est dans ça, madame, monsieur, il y a des gens qui sont censés bouleverser. On dit un terroriste qui quitte le Moyen-Orient, qui passe par la France, mais qui passe par Caraïbes, et puis l'entrée en Haïti, qui sont capables de contrôler ça. Donc c'est pas seulement un Haïtien qui est capable d'envahir, qui est capable de débarquer dans le pays caribéen, l'inverse est aussi vrai. Ouais. Certainement. Et maintenant, parce que j'ai une campagne de communication pour informer nous sur les affaires libres de circulation, qui côté nous peut aller, qui côté nous peut aller, et si nous sommes capables d'aller dans l'État membre. Et CARICOM, pour combien de temps nous sommes capables d'aller, et pour combien de temps nous sommes capables de rester, évidemment, dans le pays et dans l'État membre CARICOM. Ça me pense que ça, on va être extrêmement important. Et puis, par rapport à dette, ça, qui est d'environ 1 million de dollars, il faut nous signaler tout le code des yeux que d'un point de vue administratif qui était financé, donc, il a affecté la crédibilité paysan et contre solvabilité haïtien, vinotisant plus faible, je ne le dis pas. Et nous pas capé, même des passeports, même l'impression des passeports. Bon, en tout cas, merci en pile, monsieur d'Haïti, merci en pile. Merci infiniment, le coup, à demain. Merci en pile, bonne journée. Voilà, donc c'est le. Son bel éditorial. C'est le 31 55 43 25. Alors, ce qu'il faut retenir de ce texte, madame, monsieur, et ce matin, c'est que. Gampé le monde qui va te connaître que y a un nouveau passeport. Oui. Ok, Gampé le monde qui va te connaître que il y a un nouveau passeport. Alors, ça a fait noter. Donc, il y a un nouveau passeport. Donc, on a gagné deux passeports, il y a un qui est 32 pages. Il y a l'autre là qui est 48 pages. Et ce n'est pas même brillant. Ok? Alors, nouveau passeport ça. Et sous couverture, il y a un logo CARICOM. En principe, ça t'a supposé bailler droit à Haïtien pour déplacer, pour circuler librement et dans le pays, en fait, faisant partie de la CARICOM, donc dans la Caraïbe. Et vice versa. Et vice versa. Donc, est-ce que c'est ça qui va le faire? En tout cas, on ne connaît pas, mais un passeport qui a un logo CARICOM sous lui, il veut dire. Ça veut dire. Oui, même genre, et l'organe passeport qui gagne UE sous l'île. Oui, monsieur. Pays oui, faisant partie de l'Union européenne. Bien la libre circulation des personnes. Donc, donc c'est dans ça à nous voulons rentrer. Même genre, l'Union africaine a travaillé sur l'Ikounia, sur Paul Kagame sollicité ça. Comme si pour gagner libre circulation des pays africains, de un pays à un autre. Donc, il y a travaillé sur l'Ikounia, libre co effectif. Mais ce sont des bagages qui ont fait à travers le monde, mais qu'on y a les gains avantages, les gains inconvénients. Bien sûr, bien sûr. Comme de fait, tout côté gain avantages, gain inconvénients. Oui, mais pas capable, je dis à ce moment-là que son passeport qui somme avantage à pays caribéen.
sous Haïti, il faut Haïti tout en fait capable de bénéficier donc de tout avantage que non. Même pays ça ou capable de gagner sous Haïti. Pour bénéficier, c'est où il n'y a pas oublié, c'est CARICOM, c'est marché commun. Maintenant, sous pas gagner qui ou produit pour vendre dans CARICOM, un pays faisant partie de la CARICOM, il n'est pas responsable. Sous pas gagner, il y a un cas proposé. Et c'est yo pas responsable non maintenant yo même yo gagne y a produit y a pas où ou même qui pour mettre à la hauteur pour produire pour capable vendre et dans CARICOM aussi. OK bon et si nous besoin gagne plus information donc n'a pas dans immigration donc pour faire passeport. OK mais son bon document son bon passeport et son bon passeport son bon passeport et qui est-ce qui connaît mais sur nous compte que peuple ça pas connaît hein. Non. Est-ce que vous connaissez pas le parlé de ce matin là, gampil moun ki konnen ki gon nouveau passeport. Il y a dirigé peuple là dans l'opacité totale. Comme si est-ce que vous ça? Oui, on décidé pour mesure et puis voilà. Oui. On exécuté voilà, tout gampil moun ki pas connaît que gon nouveau passeport. Gampil moun ki pas connaît que gon passeport qui gon logo kay comme sous lui. Gampil moun ki pas connaît ça, non? En tout cas, la fait, pays ça fait que nous rien. Émission matin débat. Seulement les plus avisés qui connaissent, mais la grande majorité de la population y aurait été dans l'ignorance. Dans l'ignorance, alors qu'on situation là qui a évolué dans la zone d'Elma, côté que y a équipé l'élève lycée. Bon, même situation ça chaque année. Même bagarre. Y a demandé professeur. Ok, bon, on a. Mais comment faire fête chaque année et il ne va jamais résoudre. Il va jamais résoudre. Oui. Chaque année, bon. C'est que de cela, même problème, non? Même problème, ouais. Et puis, pas j'aime résoudre un ministre qui est ministre de l'éducation nationale, Lila. Lila, Lila. En tout qui cas. Job lui-même? On a regardé ça qui sous table matin débat, jeudi, lundi 12 avril 2021. Nous parlons d'abord dans la OUIA avec Baron Naos. Baron, qui parle? Et nous sommes tous super branchés matin débat et nous savons qu'on est actuellement là dans Delma 33 et tout élève lycée Karadé. Élève lycée Tiplascazo, actuellement il a passé par lycée de Mafantaine, il prend la rue lycée Karadé, il prend la rue, il a revendiqué, il dit qu'il n'y a pas qu'à jeune professeur, il a bloqué Delma 33, et d'après les revendications qu'il a fait, il dit qu'il peut comprendre que l'État a payé les bandits, mais pas payé les professeurs. C'est la logique ça, les professeurs ont bloqué, les élèves ont bloqué la rue de Delma 33, actuellement là, on a Delma 33, ils ont bloqué, et je ne sais pas, il n'y a pas de passer deux mots, dans ma télé, monsieur. Et nous connaissons. Enfant. Vous connaissez. Car nous avons deux semaines, nous avons un professeur. Ok. Nous avons même. Et vous, ministre, ça dit, la faveur nous. Et même si touché, et le bagage de l'éducation, dans nos connaissances, ça fait ça. Merci en pile. Merci en pile. Merci en pile, Gébéla. Merci en pile. Donc, Baron, il y a un pile dans la rue. Après, va y aller. Baron. Allô Baron, yo en pile dans la rue. En pile élève et m'gazou pour le moment là, il y a un lycée Karadé et lycée Vespas Kazo et il y a passé pour l'autre lycée depuis le collège qui a travaillé, yo fait libéré yo. Yo dit collège pas supposé travail par yo même pas jeune professeur. Très bien, est-ce que la police accompagne yo? Non, pas la police à vrai. Son équipe élève, on m'a cassé deux jours, je me que quand ça a évolué depuis côté au passé, jeune branche bois, yo crasé, yo jeune ta met à la rue, jeune wash met à la rue. Actuellement En pile, mais bagay la police t'accompagne. Très bien, merci en pile, bon, si l'évolution en fait qu'on ah ok, bagay pour le. Bon, voilà donc la situation de ce pays. Donc les vieux qui ont plein, qui ont fait manifestation, parce que yon pas gagné un professeur, et son problème qui perdure, son problème qui l'a depuis des années, madame, monsieur, donc, dans le système éducatif donc haïtien. Et problème ça n'a pas jamais résolu. Je dis ainsi, effectivement, donc les vieux, donc l'État, le gouvernement a payé bandit pour faire libérer moun la question kidnapping. Et puis eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à apprendre. Parce qu'ils n'ont pas un professeur, parce que le professeur n'est pas touché. Bon, qui sera dit qui sera dit ok. Nous parlons également donc Boisverna avec Wesley Désir. Et alors, c'est rentré dans la porte dans le dossier là. Et avec Wesley Désir. Alors, il y a Brown qui retourne encore. Et non, bah, ok, bon allez, Wesley Désir. Qui s'est passé matin hein? SPNH là a en conférence de presse matin. Encore. Nous sommes que semaine dernière, SPNH a fait une conférence de presse. Et puis, bien bonheur dans le matin, tu as plusieurs brigades de plusieurs unités de la police nationale d'Haïti qui étaient campées devant le local là. Dans l'intention pour t'amener tes mains, donc sur porte-parole SPNH qui c'est Elder Lundi. Lundi.
Et c'est population qui est campée qui fait que la police n'est pas arrivée à arrêter donc Elder lundi. Eh bien, je dis encore, conférence de presse donc, de SPNH, bien bon dans le matin, hein, eh bien, c'est même situation. Hein, donc, plusieurs unités de la police nationale d'Haïti, plusieurs brigades, donc déjà postées devant le local là, donc, l'intention justement, puis regarder les possibilités, si tu es capable d'arrêter. Donc, les policiers qui gagnent mandat d'ailleurs, donc du SPNH. Et où si Désir, comment est-ce Allô Wesley, et démarquez les foules là. Allô, Wesley. Tu as été LDR, mettez du feu. Ok, bon, et n'a pas retourné à Kouti, pratiquement donc, tout à l'heure, et pour nous capable de gagner plus d'informations donc sur ce qui a passé dans la rue, donc bon côté parle, en aller. Haïti, insécurité, dossier kidnapping. 12 cas de kidnapping recensés le week-end écoulé. À qui profite le kidnapping en Haïti? Et depuis hier soir, alors faut que je me dise que je passe son week-end dans le nord du pays. Et depuis vendredi soir, nous allons voir justement toute image sous page officielle, Louko Désir officiel à partir de ce soir donc sur YouTube. Et ça fait me dire que je te dis clairement donc si nous besoin qu'on ait plus de bagaille qui gagne rapport à pays hein, donc c'est abonné à page officielle Louko Désir. Louko Désir officiel donc sur YouTube. Louko Désir officiel sur YouTube. Vous mettez abonné à page là et puis abonné à page Radio Téléclair. Et bien, te font virer pendant le week-end, nous allons dans nos pays et après tout image ça yo à partir de la soirée, donc sous page officielle Louko Désir officiel. Pas oublier, abonné à page Louko Désir officiel. LOUKO O2FICIEL. Et puis abonné à page Radio Téléclair. Parce que là, il y a des vidéos exclusives qui vont après sous page Louko Désir officiel. Nous rencontrer Madame Liliane Guerrier. Madame Liliane Guerrier, c'est une femme vaillante dans le Cap Haïtien dans le Nord qui est âgée de 115 ans. Ok? N'a pas de chance pour nous vidéo ça à soir sur la page officielle Louko Désir. Madame Liliane Guerrier est licenciée très lucide. Mais il y a quelques bails tout le pas songer. Ah oui, il va pas songer. Pour tel président, sous quel président, il n'y a pas songer. Mais il est très lucide. Surtout de l'âge, il n'y a pas de l'âge. Non, il n'y a pas de l'âge. Alors c'est Petit Li qui. Yeah, ouais. Qui il parlait de. Il parlait de occupation américaine. Ok. Il rappelait de ça. Ok. Sur occupation américaine, il a parlé de 1915. Ok. Donc ça a déjà bonne idée de quel âge que le gagnant. Yeah. Il parlait de occupation américaine et les salles étaient déjà jeune demoiselle. Sous occupation américaine, il parlait de comme il qu'on fait avec Blanc, qui gens qui travaille avec américains qui était qu'on vient dans un sous cheval, il était qu'on fait le beauté de l'eau et puis au balanti comme il parlait de ça. Les salles de étant jeune demoiselle. Donc ça dit que ou qu'a une idée de quel âge que le gagnant, donc c'est petit qui pratiquement situé donc l'âge que le gagnant aujourd'hui et il clair que le gagnant 115 ans. Donc n'a pas tout ça sur là sous page officielle Louko Désir officiel. LOUKO DESIA officiel O2FICIEL. Et puis, al abonné à page Radio Téléclair. Ok. Pendant que je suis en Haïti,
m'a profité de saluer toutes les jeunes garçons, jeunes femmes qui te recevoir le code de Kap Ayisyen. Et puis, m'a regardé WhatsApp, moi m'a regardé dans l'image, un paquet d'articles ensemble avec des photos. Et puis, information sur le monde qui a kidnappé pratiquement dans le pays pendant le week-end. Je dis à moi, c'est que nous vivons un moment côté que. Ça a passé là dans le pays. Même si c'est un secteur X ou bien Y qui commandit-elle. Alors, je dis secteur ça, tôt ou tard, le pays a fini par connaître qui degré de méchanceté au fait à pays ça. Et peuple haïtien, toujours là pour le prendre note. Et là, il y a des biens résoudre. Il y a un problème, nous avons des gens qui ont résolu. Parce que je dis, même si ce secteur qui est mêlé de ça, secteur ça pas qu'à l'aise parce que c'est pays aujourd'hui qui touché jusqu'au fond de lui-même de questions kidnapping, de questions insécurité. Là, nous parlons d'une douzaine de cas qui ont été censés doquer pendant le week-end. Mais est-ce que nous connaissons des gens qui ont kidnappé que nous pas même connaissons? Grand couple. Yo kidnappé qui t'a sorti son Magnomboise qui t'a sorti alors dans la soirée moi c'est même avant hier yo kidnappé il pas mentionné non il pas mentionné elle dit que est-ce qu'on connaît qui quantité moun ki yo kidnappé que nous pas même connaît gros madame qui sont gros machin viennent la ville yo kidnappé donc hier sous grand rue monsieur m'a demandé 4 millions de dollars machin vient lui 4 millions on machin vient. Monsieur kidnappé hier, sous grand oui. Il a demandé 4 millions de dollars. Donc elle dit que nous qui c'était moun qui a kidnappé et que nous pas même au courant de même nous. Parce que famille yo pas voulu parler dans la radio, famille yo pas carré la police, donc famille yo a souffri dans négociation avec bandit pour capable de libérer moun sa yo. Madame monsieur, les gens du pouvoir, les autorités de ce pouvoir, l'équipe de PHTK. Parce que je dis à ce nous-mêmes qui avons le pouvoir dans le pays. L'équipe de Jovenel Moïse, président de la République. Est-ce que vous connaissez que plus de cas de kidnapping qui fait dans le pays, plus insécurité ça, problème ça ne pas résoudre. C'est réduit la réduit sans Jovenel Moïse comme président. Un, pour exécuter, pour réaliser l'agenda qui se référendum, constitution, élection. Et même pour l'arrêter sous pouvoir jusqu'en février 2022. Est-ce que vous connaissez? Parmi les gens qui ont des ressortissants français. Parmi les gens qui ont kidnappé, oui. Qu'on a mis un bagage de qui ça la France va le faire. Bagage de qui ça la France va le faire. Donc, est-ce que nous connaissons que ce qui a passé là, kidnapping et sécurité, c'est réduire la prière du sens. Président Jovenel Moïse pour le réaliser à Jandal. Ou la question de dialogue dans le palais de l'IA là, qui est kidnapping et continue pour nous. Qui moun yon a chita nos dialogues avant, pendant que aujourd'hui, tout moun a victime de questions d'insécurité. Qui est-ce qui a chita nos dialogues avec aujourd'hui, pendant que petit pays a débat final en question de kidnapping? Qui est-ce aujourd'hui qui a parlé d'élection avant tout? Pendant que petit pays a kidnappé, pendant que l'insécurité dans le pays a. Dis-nous. Ici, un matin de banlieue. Un matin de banlieue. Et c'est vérité à qu'une garde en face. Et c'est vérité à qu'une balle. C'est dommage que la population, ça a moins dit tout à l'heure. Il y a des yeux qui teintent. Donc, opération déteintée, vite là, il va aller pour ta fête, je dis. C'est opération déteintée, yeux, débandé, yeux, peuple haïtien. Parce que, si peuple haïtien, yeux, pas débandé, je dis là, où t'as pour réaction pays. Où t'as pour réaction pays. Où t'as pour réaction pays. Je dis à l'église catholique qui sont baldi. L'église catholique qui sont mal dit. L'ambassade de France qui sont mal dit. Parce qu'ils ont kidnappé père, ils ont kidnappé mère, ils ont kidnappé français. La presse française a parlé, les RFI, les Figaro, le monde, okay. Tout a parlé. Qui sont mal dit? Et puis je dis, on est qui dans le pouvoir? On vient parler de qui ça? Qui on va faire parler de comment on va continuer à parler de référendum dans le pays? Et l'hôpital, bon, au Fatma, là, okay. Là, au Fatma, frère, voilà, il faut parler tout à l'heure avec médical, oui. Au Fatma, il kidnappé. Ok, tout. Docteur Fabre. La franc-maçonnerie en Haïti. La franc-maçonnerie. C'est tout. Ok, qui ça nous a dit?
franc-maçonnerie, nous-mêmes qui sommes maçons, loge vénérable, qui s'en va dire, montrez force nous. Je vais regarder pour moi-même. Alors, information d'un petit tout le monde est libéré. Donc, monsieur Jean-Marie, il n'est pas libéré. Il n'est pas vrai. Ok? Donc, son vénérable. Son vénérable au niveau. Dernier degré. Qui est au kidnappé aujourd'hui là? Et ses amis personnels, Joseph Michel Martelly. Parce qu'on a fait bah, Marceau pour Martelly. Ok? Et parallèlement, ce qu'on a fait, Marceau, ça me dit là. Et parallèlement, pendant toute situation comme ça, parallèlement, goud la 81 goud. Alors, de la 81 goud pour la banque là. Pour BRH. Pour la banque là. A terre, il sent combien? Ok, il sent combien déjà pratiquement à terre, madame, monsieur. Yeah. Nous a dit que nous avons un pays là qui est invivable. Franc-maçon, nous avons un pays qui est. Parce que, nous avons un là, nous vénérable qui nous mène. La bagarre fait pas imaginer, nous avons un moi. Mais si vous avez un magie, il faut tout nous t'attirer d'être. Nous avons un qui est maçon là, franc-maçon. Regardez ce qui va passer là. Si je m'en imagine, vous avez des gré maçon, que tout n'est là, vous tirez tête. Yo. Et puis, monsieur Jean-Marie libéré, sans problème. Mais regardez qui prend le sac par réaction. Et bien avant. Le corps médical haïtien. Mais je dis, l'hôpital Benhamès déjà donné le suspens de travail. Suspens de travail. Et faut que m'a fermé. Et bien avant, Kassayo, pas oublié, gon agent USP qui c'est unité sécurité présidentielle. Que vous avez kidnappé. Et kidnappé. Nous avons dit que madame, monsieur, pays à la jodia invivable. Donc, on n'est pas venu parler de question référendum. Pas venu parler de question constitution. Pas venu parler de question élection. On sait le genre capable de parler. Parce que moi, je ne sais pas faire là. Si solution à tout problème, ça, c'est un référendum, non, il vient de parler de ça. Non, je ne connais. Si des solutions, on est là. C'est là le lien. Donc, on a le problème kidnapping, la solution, c'est un référendum, on parle de lui. Si problème de sécurité, problème de gangway là, on parle de lui. Mais élection d'où? Élection là, de bonne allée. Ok, on nous garde sur ça, madame, monsieur. Et je dis, tout secteur pratiquement donc, affecté par cette question de kidnapping dans le pays. Mais malheureusement, comme je dis, qui est-ce qui a payé, qui a fait frais, c'est petit pays, c'est citoyen pays. Maintenant, si vous secteur qui est elle, vous ne pouvez pas se battre bravo. Nous ne pouvons pas se crier victoire. Parce que sauf faire, on a tous les jours quand même. Sauf l'île, qu'on va appeler. Son fond mais son lot l'ap tourne sous quand même. Parce que aujourd'hui, c'est peuple haïtien qui a souffri. C'est pays qui a souffri. Et c'est chaque jour de compter pour peuple haïtien. Chaque jour de compter. Chaque jour passé, c'est pour dire bon merci parce que yo pas kidnappé, parce que yo pas fusionné dans la rue, parce que aujourd'hui, donc ou pas victime de sécurité. Donc peuple haïtien tout le temps qu'on y a là, nous question la prière, la prière, la prière. Volume prière, peuple haïtien, il vient augmenter. Alors, on note là, archevêque de Port-au-Prince, ils ont mis dehors pour même pas ça. Oui, dénoncer. Non, nous avons ça l'église catholique, pas fait. Tout le monde connaît la position de l'église catholique dans la crise actuelle là. Mais quand il y a kidnappé Pépé, il y a kidnappé Mé. Et c'est pas pour une fois, non, ça fait. Il y a habitué kidnappé Pépé déjà, oui, là. Oui, il y a habitué prendre Mé ou tout. Ok, il y a habitué prendre Mé ou tout, oui. Rentrer dans l'église, dans le côté où il y a. Très bien. Il y a al violé, il y a habitué faire ça déjà. Ok, oh. Je dis, je dis, nous, situation, retirer tête qui dans le genou comme Pépé ici. Donc, c'est détenter figure, détenter jeune, débander jeune. Débander jeune. Parce que si nous pas de gonz yeux bandés, nous avons exactement ça pour nous faire. Dans le cadre d'une mobilisation chaque jour pour nous dire non, nous pas qu'à continuer à ça encore dans le pays. Nous pas qu'à continuer à ça encore dans le pays. Et je dis, le président Jovenel Moïse a donc face à ses responsabilités. Comment qu'a fait président? Et pour tout bail soit passé là dans le figou. Où est-ce qu'il y a de là? Ou pas le temps de que le président Douke met tel secteur là, met tel secteur qui est kidnappé. Mais où qu'on est yo? Beaucoup de monde, soit dénoncé ce qu'on connaît, qui met sous bras, qui décide sous bras, Mounsayo. Parce que, écoutez, madame, so, lorsque vous êtes un chef d'État, mission, job, c'est pour capable garantir sécurité. C'est pour capable mettre la population en confiance. Ça, c'est minimum, non? C'est le minimum. Ça, c'est minimum, non, y a peut-être non. Madame, monsieur, nous, on ne pouvons pas croiser bras, et puis ça passe, et puis, ou adélandé, nous sommes comme agenda. Mais qui joue le faire réaliser agenda, ça? Comment on va faire le référendum là, Kijan? Qui on va faire changer la constitution là?
Et pas trop longtemps, président. Qui va faire élection là avec situation ça là, d'insécurité dans le pays là? Qui j'en? Après situation 12 mars, le président a baillé pression, il te dit mon village de Dieu, monsieur village de Dieu, on va arriver sous nous, bon, gain de aller à pour arriver. C'est pas possible. Et là, ce matin, je veux m'adresser donc au directeur général de la police, monsieur Léon Charles. Léon Charles, il s'est gros expert en question de sécurité. Mais je dis à travail Léon Charles là, il faut qu'il double. Parce que plus on a qu'à regarder. Déjà, opération village de Zuyal qui est un goût amer en bouche tout le monde. Également en bouche. Même policiers. Et même policiers pratiquement. Qui démotivé. Qui démotivé, je dis là. Léon Charles, son équipe doit marcher dans chaque commissariat. Pour faire un travail de motivation. Bon côté policier. Et pendant l'affaire, la Folta assure que les gains les moyens nécessaires de ce gouvernement pour le capable de dire continuer bataille la police qui s'est servi également protégé. Parce que après l'un mois soit là sous canapé vert, les sorties secteur de flamme, la police a commencé à vous prendre confiance. Mais village de Dieu, vu que je dis là, tout le monde a posé question. Où est passé Léon Charles? Alors bien que dans la mort soit là sur le canapé à tout, il n'y a pas qui pas trop clair là-dedans. Il n'y a pas qui pas trop clair. Il n'y a pas qui pas trop clair. Mais l'éclair que Léon Charles a tiré. Façon sans juge de paix, façon au courrier enterré, sans rapport, sans autopsie pour ta connaît, qui balle, pour ta fait rapport balistique, ta dit qui balle. Donc l'éclair que c'est la police qui est victime, depuis qu'il y a victime, tout le monde s'est baptisé pratiquement à la police parce que tu es accusé, M. 509, comme groupe qui t'a exécuté. Donc il y a des gens qui là, il y a des gens qui sont là, pas tous les liens dans le moment. Oui, maintenant il y a des basouli. Il y a des échanges sur le groupe policier qui dit clairement comment un policier a été mouru. Correct. Mais quand même, vous devez jouer comme la douce solidarité qui était faite dans la police. Donc parce que soit là, il y a des conditions qui devaient mourir. Mais 12 mars là, après Village de Dieu, je dis à la fois Léon Charles. D'ailleurs, les rescapés du 12 mars, moi te dis ça déjà dans matin de Barry. Les rescapés du 12 mars, gna donc vinn dans radio éclair. Les rescapés du 12 mars. Qui a accompagné la police Bayo? Est-ce que vous considérez comme des nèg qui t'a fait job yo? Li pas ka comme ça. Monsieur Léon Charles. Les rescapés du 12 mars, relé nèg faut pas laver, passer maintenant tête yo. Mba quoi yo besoin l'argent, mais on besoin au moins sentir que chef là avec yo. Parce que 12 mars, yo t'es dans le village de Dieu. C'est de justesse là dedans qui fait on va mourir. Mais yo pas capable de dire là qui gagne bras cassé. Qui ça gagne pied cassé. Oui. Car l'hôpital c'est vrai, la police a voyé l'hôpital c'est vrai, mais faut qu'on t'y parle de couragement qui fait avec yo. Gagne là donc veut quitter pays à tout, qui veut quitter la police là. Parce que famille yo, ouais clair, yo t'a mourir là, t'a mourir pour projet yo. Même genre quatre policiers qui mourir jusqu'à présent cadavre donc dans le village de Dieu. Donc un pile travail que vous faites là donc monsieur Longchal, parce que pays a pratiquement donc abgado. Et si c'est moi un lieu, assure que gouvernement bon moyen pour faire ça que vous faites. OK? Et puis faut que la présidente tout. Faut que la présidente monsieur Longchal. Faut dire pas qu'on l'autre dans mes joutes encore comme premier ministre comme chef CSPN. Faut que la présidente. Faut dire président qu'on pas qu'on l'autre dans mes joutes encore. Qui m'appelle gagner rien dans le pays à la question de sécurité. D'elle d'où qu'elle parle avec vous. D'où si elle parle avec vous. Qui décide le capran donc pour PNH là. Et pour dire président, désormais même dans la maison, qui bombe là. En tout cas, madame, monsieur, dossier kidnapping, non. S'il profite à mon secteur, mais secteur, ça va le connaître. Ça, la tourne contre lui, quand même. On va me battre bravo. Il y a créé victoire. Parce que ça a une question de. Politique sur question de pays, c'est pays à Jodia qui est d'accord, qui est casé. C'est pays à Jodia qui a souffert de questions qui d'habitent, madame, monsieur. Et l'équipe de PHTK, l'équipe de Jovenel Moïse, mettez en tête nous, chaque fois que kidnapping fait dans le pays, chaque fois que l'insécurité continue dans le pays, c'est réduire l'indigence. Jovenel Moïse comme président pour l'été jusqu'à février 2022, et réduire la prédigence pour capable de réaliser ça comme agenda, qui se référendum, constitution également les élections. Qui j'en aujourd'hui sont capables de paraître devant la population ça pour parler de référendum. Il y a coup de oui. Moi, je suis un gros agent. Je suis un agent de ce gouvernement. Pour débarquer à terre dans le quartier populaire.
pour aller parler peuple ça de référendum. Madame ça. Madame on représentant de ce gouvernement pour descendre dans le quartier populaire pour aller parler peuple ça de constitution. Moi madame ça moi même le connais dit. Madame on représentant de ce gouvernement pour descendre dans le quartier populaire pour